L'intérêt économique au-dessus de l'intérêt national. Le Caras, non, mais chez nous, il a pris. Le Caras, il faut faire appel à la sagesse. Il faut revenir à la raison. Il faut écouter ce peuple fabuleux. Il faut l'écouter. Il est là. Il est en train de transmettre un message fort et déterminant. Donc, il dit, il faut aller vers une période de transition. Nous voulons conserver une nouvelle république. Un état de droit, un état où la justice ne fonctionne pas avec le téléphone. Mais la loi, elle est au-dessus de tout le monde. Donc, nous voulons un état où chaque Algérien se reconnaîtra. Nous voulons un état où chaque citoyen a le droit d'avoir ses droits. Donc, il est temps d'écouter le peuple, il est temps de répondre favorablement à sa revendication principale. Ce peuple est décidé à prendre son destin en main. Ce peuple veut construire cette nouvelle république tant rêvée par Adnan Ibn Mehdi. Donc, nous sommes là, nous disons basta à ce régime militaire. Il est temps que l'armée rentre au casier. Il est temps de faire passer le pouvoir civil sur le militaire. Ça, c'est notre histoire. C'est les résolutions du Congrès national. Donc, nous sommes en train de réhabiliter notre histoire qui a été spoliée. Nous sommes en train de réhabiliter l'histoire qui a été falsifiée. Donc, nous voulons chasser ce pouvoir néocolonial. Parce que réellement, en 62, on est passé d'un régime colonial français à un régime néocolonial français. Donc, aujourd'hui, nous disons, nous allons achever cette révolution qui n'a jamais été achevée. Nous allons construire cette nouvelle république, tant rêvée. Nous allons réhabiliter notre histoire. Nous allons prendre notre destin en main. Cette caste qui nous a pris en otage, qui a pris l'Algérie en héritage, il est temps qu'ils comprennent que le glas de la fin a sonné. Il est temps qu'ils partent avant que ça soit comme ça. Et ils assumeront l'entière responsabilité de l'histoire. Parce que l'histoire est là, c'est un éternel recommencement. Ce peuple a toujours relevé les défis à travers toute l'histoire de l'humanité. C'est un grand peuple qui a relevé tous les défis. Et aujourd'hui, il est capable de relever tous ces défis. Donc, il est temps qu'il passe. Nous n'avons rien à faire. Nous avons résisté pendant 57 ans au régime mafieux, à cette caste, à ce régime dictatorial. Mais nous sommes prêts encore à résister 57 ans s'il le faut. Et c'est pour cela. Je dirais qu'après une année de révolution pacifique, il est temps au Hirak de passer à une deuxième étape. Il est temps de se concerter, de rassembler tous les activistes, tous les hommes politiques sincères de ce Hirak et de réfléchir pour une perspective plus conséquente, pour justement le nourrir d'idées, parce qu'il a besoin d'être nourri. Ce Hirak a besoin d'être nourri d'idées, il a besoin d'être irrigué donc, par des réflexions positives qui peuvent faire avancer le mouvement. Et c'est pour cela que j'appelle tous les activistes, tous les militants politiques de ce Hirak à se concerter, à former des groupes de réflexion pour des perspectives en vue et justement réfléchir pour taper là où il faut, toujours dans un caractère pacifique, toujours en gardant ce caractère de Sylmia, mais taper les points qui font mal, à savoir les points stratégiques tels que la forêt, tels que les ports, tels que les aéroports. Donc nous allons essayer de travailler là-dessus, nous allons réfléchir ensemble tous, justement, pour essayer de donner un deuxième souffle à cette révolution. Et j'en suis persuadé que nous y arriverons, nous y arriverons. Tôt ou tard, nous vaincrons. Parce que nous avons une volonté de faire, nous sommes déterminés et rien ne peut arrêter la politique d'État. Tahir de Zahir, pour la démocratie. Merci.